petit coup du soir à la banophilie sous la pluie. Bon, je vous montre un petit poisson. Bon, je fais gaffe de ne pas tomber dessus dans l'eau. Hein. Et froid. Et voilà. Allez, c'est parti. Je la remets vite à l'eau. Hein. Bon bah deuxième poisson. Belle commune. Un peu plus grosse que tout à l'heure. Bon, allez, pareil, on va essayer de ne pas tomber le cul dans l'eau. Hein. C'est des gros rochers dans le coin. Et voilà, ça, ça fait plaisir. Superbe couleur, très très beau poisson. Allez. Wow. C'est pour ça que maintenant j'aime bien les faire dans l'eau. Ça craint pas. Encore une petite carte. On sent que c'est bien la fraie là. Hein. Ça devrait pas tarder parce que là, elle mange. Allez. Bon, petite miroir. Devriez un drap grande. Belle couleur. Très beau poisson. Allez, je vais repartir. Donc c'était une petite pêche, un petit coup du soir de 1h30, 2h de pêche. Donc nous sommes le 5 mai et on a eu un temps très pluvieux. On est juste avant la fraie, on voit bien. Elles sont bien pansues et puis bah là, elles tapent, elles mangent. Là, il faut pas grand chose pour que les attirer sur le poste. Après, il faut le bon spot, mais... Donc voilà. Bon, je vous laisse sur la deuxième partie. À tout à l'heure. Bon les amis, ça fait une demi-heure de pêche, j'ai déjà deux poissons. C'est parti, bombe de balle. J'ai même pas eu le temps de finir de me préparer que bah, le départ. Donc une petite que je vous montre tout de suite. Et l'autre, plutôt un beau poisson. Sur ce plan de là, on arrive déjà dans les beaux gabarits. Allez, je vous montre ça. Bon, j'ai mis les wallers, hein. Pas le droit de les mettre en sac, mais pour les photos, c'est mieux.
Je préfère maintenant. Bon, il y a une petite marche là. Hop, faut pas la louper. La petite d'abord. Allez, premier poisson. Et ça, c'est mon deuxième départ. Pendant que j'étais en train de préparer l'autre, eh ben, allez, je vous montre l'autre maintenant. Il va être beaucoup plus grosse. Elle passe la barre des 10 kilos. Bon, vous allez me dire, c'est pas des monstres, mais sur des petits plans d'eau comme ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Une demi-heure de pêche à bon poisson comme ça. Bon, on va essayer de vous la montrer. Elle m'a fait un super combat. Il n'y a pas beaucoup de branches, mais il fallait qu'elle les trouve. Voilà. Ouais, pourquoi on va la pêche? Des beaux poissons comme ça. Bon, elle n'a pas de cassé derrière. La nageoire de... C'est dommage. Bon, un beau poisson. Prenez soin de vos poissons. Mettez dans l'eau. Si vous avez les waders, c'est dommage de ne pas en profiter. En plus, c'est super sympa. Ça fait des super belles photos. Allez. Je ne vais pas me plaindre. Petite commune, tout en longueur. Beau petit combat. Ils ont bien repéré les branches ici. Hein. Bon, attends un peu qu'il se calme. Voilà. Voilà, ben, c'était chaud. Bon, allez. Allez, sur les petites communes, que je vais vite remettre à l'eau. Avec les couleurs du soleil. Bon, les amis, encore une petite carte. Sans sac soluble, vraiment de la chance. Après j'avais amorcé avec des billes, donc il devait en rester quelques-unes. En fait c'est des billes carnées que j'ai aspergées avec le produit. Voilà. Petit miroir bien pensu. Oh, il est encore là. C'était chaud. Bon, c'est pas grave. C'est quand même mieux dans le bassin là. Allez. Voilà à quoi ça sert les sacs. Hein. Wow. Par contre, tu me fais arroser, moi je prends une douche. Sentir le poisson en rentrant. Allez. Allez. Bon ben je vais finir par la perdre. Hein. Tiens.
c'est la fin du jour 2. Je vais pas tarder à plier. Le temps se noircit, j'ai pas envie de prendre une averse, même si déjà tout est trempé. Hein. De toute façon, j'ai été me baigner. Hein. Bon, je suis content, j'ai fait un beau poisson de 10 kg, puis quelques petites à côté. Bon, bah, après, ça fait plaisir, hein, tout marche. Bon, bah, vous avez vu, hein, j'ai essayé un nouveau produit. Donc, je me suis fait plaisir aussi. Un truc que j'avais pas, c'est un tripède. J'avais pas pour peser mes poissons. Donc, j'ai investi. Je trouve ça cher pour ce que c'est, mais bon. Après, voilà, il est bien, il est costaud, il est haut. Déjà, il est plus grand que moi, donc voilà, je suis content. Mon sac, il traîne pas par terre. Et j'ai acheté du fil. Je suis passé en 28 centièmes. Je vais réfléchir. Est-ce que je vais mettre une tête de ligne ou pas? En fait, chez les plans d'eau, c'est pas très encombré, mais je me rends compte que plus on vient dans les plans d'eau, plus ils connaissent ce truc, les branches, les machins. Bon, après, les branches, il faut juste brider un peu sans... Bon, ça se réfléchit. Donc, je vous laisse sur la vidéo 3. Bon là, nous sommes sur la dernière partie de la vidéo, la troisième partie. Nous sommes le dimanche 12 mai, c'est le week-end de l'Ascension où il a fait super beau. Donc voilà, je suis venu finir mon dimanche soir ici. Là, il est déjà 19h30, je viens juste d'arriver. Ils annoncent des orages. On voit bien, le temps est gris. Bon, j'espère pas en prendre un sur la figure, hein. Je pêche quoi, 1h30, voire 2h maximum. Donc voilà, c'est reparti pour la troisième partie. Donc j'ai déjà préparé mes sacs solubles avant de venir. Donc je suis prêt, j'ai juste à mettre un petit plomb, clipper, hop, hop, c'est parti. Allez, on va vous reprendre avec du poisson. Bon, j'ai même pas eu le temps de finir de m'installer, que j'ai fait un poisson. Par contre, ça devait être une grande mangeuse, elle aura vraiment la dalle parce que elle a la gueule toute arrachée. Moi j'ai bien piqué en bas. Je pêche avec mes spinners. Mais par contre là, elle a été vraiment arrachée. Donc ce que je vais faire. Quand j'ai été au dernier privé, on nous a obligés à acheter des produits. Après, obligés, voilà, il était temps de le faire, quoi. Donc, on va lui mettre ce qu'il faut. Et là, c'est complètement déchiré. Waouh. Bon, allez, je vous la montre vite fait, je la remets à l'eau. Hein. Par contre, elle m'a fait un combat comme une grande, hein. Elle a du caractère celle-là. Allez, je vous la montre. Et je la remets vite à l'eau. Bon, je prends pas les waders, ça, je me prends pas la tête. Elle a juste ouvert comme ça celle-là. Allez. Allez, on passe. Alors ça, c'était avec le sans sas. Bon, je pense qu'il y a eu du monde à mon emplacement. Ils ont défoncé le terrain. Voilà. Franchement, on est sur l'herbe quand de ce temps-là. Ouais, ils ont tout foiré. Voilà, ils vont être obligés de remettre la barrière. Bon, j'en profite ce soir. Voilà, moi je suis là. Donc à mon avis, le pauvre poisson, il a vu ces personnes-là. Bon, après, il est bien reparti. Bon, bah, les niveaux d'eau ont vachement baissé. On a perdu, waouh, allez, je dirais 20 cm en 4 jours. Là, on voit bien la berge. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont fait exprès ou pas? Après, on attend des gros orages. Alors, est-ce que c'est le but? Grosse arrivée d'eau. Bon, bah, maintenant, l'arbre, il est complètement tombé dans l'eau, hein. Bon, l'orage se met à gronder au-dessus de ma tête, là. Donc, je vais pas sortir ton truc, hein. Je suis désolé, je vais pas mettre les waders et tout ça. S'il faut plier... Ah, une voiture, du monde. S'il faut plier, bah, je pars vite. Hein. Allez, un autre.
Même produit, même poste. Hop. Allez, c'est parti, je suis content. Bon, bah, j'en fais deux rapidement. Au jamais, vite à l'eau. C'est parti. Oh bah, je vous prends pour le mot de la fin. C'était un ensemble de trois vidéos. C'était une pêche en hardillon. J'ai essayé quelques produits. Je voulais voir où en était la fraie. Donc là, on est vraiment pas loin. Ça va pas tarder. J'ai fait des beaux poissons. Bon, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. À bientôt.